Cette vidéo s'adresse à certains grands frères de la diaspora, certains influenceurs. Mais j'admire bien votre combat. Oui, le combat est vraiment noble. Mais la question que je voulais juste te poser, c'est, on continue à mettre la pression, c'est vrai. Et ceux qui disent qu'on ne parle pas, allez encore regarder le 23 janvier, lundi, ma sortie. Mais ce n'est pas ça qui était l'objectif de ma vidéo. Je veux juste te dire ceci et plus rapidement. Depuis qu'on parle, est-ce que vous avez pensé un peu que les enfants de Martinez Zogo vivent comment? L'épouse de Martinez Zogo vit comment? Pendant qu'on continue les bavardages, les gars, pardon, faisons la quête. Faisons la quête. Vous de la diaspora, là, vous qui parlez chaque jour que il faut avoir un cœur pour le décès de Martinez Zogo. Moi, je suis partant. Hein. Lancez, faites la quête. On cotise, on pardonne à la femme de Martinez Zogo. Elle cherche au moins de quoi manger aux enfants en attendant les enquêtes. Pour ceux vraiment qui s'indignent, les gars, pardon, faisons une quête. Faisons une quête. Je ne veux pas être devant la scène. Moi, je donne une seule idée. Vous voulez montrer vrai, vrai que Martinez Ogo, vous portez Martinez Ogo dans vos cœurs. Pardon, cotisons l'argent. La femme de Martinez Ogo vit comment depuis? Qui a posé cette question? Martinez Ogo avait, on dit, quatre enfants. Les enfants là partent à l'école ou bien ils mangent. Cotisons d'abord. On donne à cette famille-là en attendant n'importe quoi. Les gars, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, ceux qui font les vidéos pour chercher leur vue, pour chercher à attaquer les gens, machin. Arrêtez ça, cotisons l'argent et on donne à cette famille-là. C'est tout ce que je voulais vous passer comme message. Voilà.